بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله Frères en islam, pareil comment tous les années, Mauriciens et ou bien ben, les autres pays internationaux, autres gains conseil public le 1er mai. Ce qui nous appelle journée fête du travail. Première année qui fin commémore cette occasion-là, c'est en 1938. Ensuite, ça fin vin un congé public l'année 1950. Ça jour-là fin introduire comme une commémoration concernant les efforts de bon travailleur ou bien bon esclave. Qui je viens faire dans le passé afin qu'il commémore les efforts que je viens faire pour gagner droit social, pour gagner droit politique ou bien pour gagner droit économique. En l'an 2023, nous toujours considérons ce jour, 1er mai là, comme un jour important en tant que man classe travailler. Soit ce jour-là nous prend les. Un congé, nous reste la case, ça, soit nous allons avec nous la famille, nous faisons une sortie, soit ce qui est plus classique, certains, je allons dans un meeting ou bien un meeting, comme on nous dit, pour des partis politiques. Dans tout ça, dans ce cas-là, peine aucun là-dedans qui vraiment les compense ou bien les dédommage nos efforts en tant qu'un travailleur. Si nous faisons une sortie en famille, Nous allons promener, nous gagnons thawab, nous gagnons récompense, mais au final, nous retournons à la case fatigués. Si nous finissons le meeting, l'idée a une place inappropriée, côté ribote et maltraite, adversaire politique prend place, nous finissons debout dans le soleil et nous fatigués, en soufflant trompette, nous finissons crier, nous leaders, ce nom. Plus qui nous criait, nous madame, ce nom d'un jour, nous finissons un briané qui nous pas connaît si les halal ou bien les haram. Et au final, fais-nous à la mer, comme si dirait nous, grand dimoun, nous amis, nous finissons trouver la mer. Veut dire, content ou pas content, ça un jour qui finit de nous, comme man travailler, jamais ça jour-là comme un changement dans la vie en termes de. Repos ou bien dédommagement, c'est un jour qui nous capable de dire qui fin embête nous parce qu'en vérité, sur le lendemain, nous avons l'obligation de retourner vers notre travail. Même si nous finissons fatigués la veille, même si nous finissons bien souffler dans nos partis politiques sur ce meeting, nous pas là pour venir dire aux autres qui bizarre de travail. Ou bien vivre comme un moine à méditer les montagnes. Nous tous, nous besoin de travail. Presque tout le prophète, alayhi salam, quelque part dans cette vie, je finis besoin de faire quelque chose pour survivre. Alors, connais qui ce qui nous peut faire le dunya pour nous survivre. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, lui finit encourage nous pour faire ça. Dans le Coran, il dit Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Et pas oublier. Je te porte de sa dunya là. Nous tous nous besoin dunya sans exception, mais il y a une place qui est plus importante que sa dunya là. Sa place là, ou bien sa dunya là, si tant les fins absorbent nous par sa beauté et par ce qui est là dans la facilité, nous en tant qu'ils vont travailler, généralement, qui nous dit nous vous travaillons jusqu'à 60 ans, nous vous prenons nos retraites. Nous vous gagnons nos pensions, nous vous gagnons nos sommes par millions et nous vous tirons le taux de duty free. Quand nous réalisons, nous faisons un travail 60 l'année ou bien nous avons 40 ans de service.
60 l'année nous payons en termes, nous lasent. Nous disons 40 ans service, ou bien 45 ans service. Quand nous disons, nous venons travailler tout ça l'étendant. Au final, nous profitons de nos retraites, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, tout ça, jouissance qui nous fait attendre depuis dunia là. Zis quelques années, nous profitons de ça. Zis quelques années, l'année qui nous profite ça là, c'est ça même l'année qui nous les pieds définir en Dakhabar. L'année qui nous profite ça là, les capables possiblement nous gagner une maladie, nous la santé détériorée. Et si nous les pieds Dakhabar vous autres, et nous payons la santé, coûte et non jouissance, frère en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, lui ouvrir nous disait le Coran, la surah Tawbah, verset 38, il dit أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. Est-ce qui te peut rendre plaisir? Est-ce qui te peut rendre jouissance avec sa la vie le dunya là au détriment de l'akhira? Et il continue de dire: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Connais qui jouissance le sa dunya là? Jouissance le sa dunya là, les bien tigites comparé avec jouissance qui nous vous gagnez d'akhira. Jouissance le dunya en termes qui mon bonne propriété, mon richesse, mon la terre, mon l'absum, malgré qu'il nous fait un travail pour comment bif pour gagner sa bonne petite chose là, je dis bonne qui est tout ça là, je dis nous pas dire c'est bonne du monde qui fait accompli, mais non, les temps je trouve l'amour peut coster, mon l'âge peut monter, je trouve la santé peut gâter sa même richesse, sa même l'absum, sa même la terre là, nous besoin signe papier, lisez ouvert, nous besoin finir par à ça quand nous encore en vie. Pourtant, ça même quelque chose, nous fin la guerre pour ça, nous fin réaliser avec maturité, quand maintenant nous fin arrive soixantaine, une certaine maturité qui nous gagne. Ça classe est un niveau de maturité. Mais 60 ans, quand nous finissons arrive 60 ans, nous réalisons et nous finissons la guerre pour ça, dunia là. Nous finissons la guerre pour ça, le truc du tifri là. Nous pouvons réaliser maintenant qu'il nous parle pour qu'il soit non, rien avec nous. Les yeux ouverts, nous déshéritons nous-mêmes, frères en islam. Si la vie dunia nous besoin prend ce qui de base et pas dépasse limite, alors. Qui nous peut faire l'osa dunia là? Qui nous rôle? Qui fait filmer nous l'osa dunia là? Pour nous répondre à cette question là, nous posons nous-mêmes une autre question. Jeudi, vendredi, Jum'a, beaucoup frères et sœurs, vin Jum'a, vin écoute causerie, faire namaz ensemble. Mais qui nous peut faire là aujourd'hui? Moi passé, nous peux garder l'osa, nous peux faire namaz en plus, nous finir le Coran en plus. Alors, qui fait nous faire tout ça là? C'est parce qu'il nous peut travailler pour la vie éternelle qui appelle à l'akhirat. Nous tous qui là, nous souhaitons pour gagner le jannat, Inch'Allah, Amin. Dunia, c'est la vie, l'illimité. Et nous devons faire face à beaucoup de tests, de difficultés, de calamités. Tandis que l'akhirat a une place éternelle et peine aucun test d'akhirat, peine aucune difficulté et peine aucune calamité. Le 100% si nous sommes pour être dunia, nous pouvons dire dunia chevalier, le 0% ou bien moins 0% comparé avec valeur de l'akhirat. Connais que si dunia dans nos lettres est 50%, veut dire que nous vous travaillons 10, nous vous travaillons pour akhirat 10-50%. Si dunia dans nos lettres est 75%, veut dire pour akhirat nous vous travaillons 10-25%. Qui fait nous peut dire la vie de sa dunia là, les 0%, le 100%, simplement, réponse là est bien simple. Dunya li en la vie éphémère, akhirat li en la vie éternelle. Tout le monde qui saint l'esprit, je peux préférer akhirat l'eau dunya. Maintenant, laisse-nous prendre quelques exemples logiques pour nous capables de comprendre dunya et akhirat afin qu'ils nous donnent chacun sa vraie importance. Nous parcourons le salatier là, les commandiens nous un voyageur, le désir, la soif fin attrape sa voyageur là et arrive en place
li réussi gain en la source de l'eau. Jusqu'où moi li bien le ça de l'eau là, li arrivé trouve un large bassin, un pied tam ou bien beaucoup de pieds de loin. Li quitte ça la source là à cause li pensait qu'il a bambo pour gagner de l'eau. La bambo pour gagner fruit et la bambo pour gagner l'ombrage. Li commence à marcher à les mêmes. Arrive un certain moment, li réaliser qui plus li peut marcher, ça qui chose là, pas peut venir vers lui, il peut plus éloigner. Li pas peut trouver lui-même rapproche li avec sa bassin là. Et au final, dans place qu'il est pour gagner un guide de l'eau, il vous survivre là-bas, li fin rode, ce qui emplisse, ce qui dépasse limite, sa personne là, li mot de soif. Ça, la source de l'eau là, c'est sa même quantité qui nous besoin prend de dunia pour nous survivre. Un petit guide de l'eau nous pour survivre. De l'autre côté, sa bassin là, avec ce pied, avec ce l'ombrage, c'est sa même limite qui souvent des fois nous dépasse sa limite là. Sa bassin là, en réalité, c'est un mirage, une fausse image qui peut paraître devant nous. Pas un vrai bassin ça. C'est juste le désir qui nous trouve sur ces images-là, pas l'effet salé, pas l'effet soleil. Pareil comme dans cette dunia-là, nous donne corps et âme. Nous donne corps et âme. Nous pensons pour profiter toute jouissance de cette dunia-là. Mais dunia li embête nous, ça les mondes là li embête nous. Pareil comme sa fausse bassin-là, nous pouvons rôder même dunia-là, nous pouvons marcher derrière lui. Nous pouvons derrière sa fausse personne là, nous pouvons arriver. Mais quand l'amour, toute sa personne là, quand l'amour a soif, elle a trop tort. La vie, ou bien nous sommes capables de dire la vie aussi d'un point de vue logique, la vie, l'osa dunia là, comment dire, un rêve. Dans le rêve, nous trouvons nous-mêmes pour jouir, même quelque chose qui n'est pas dans nos capacités financières en termes de l'auto, en termes de la case, en termes de madame. Nous, dans ce bon moment-là, nous bien apprécier ce rêve-là. Un seul coup, nous enfants n'est pleurer, sommeil n'est cassé, à la noix réaliser. Et moi, tu peux rêver. Trop tard, quand fini rêver, sommeil fini cassé, là où peut réaliser, au pénal le tout, ou en cool, ou motocyclette. Là où peut réaliser, au pénal la case, de l'étage, trois étages, moi en cool, peut louer la case. Là où peut réaliser, au pénal quatre madame, un seul madame, même moi, non. Un seul coup nous descend à terre et nous quitte ça le monde de rêve là. Donc, dunia pour nous, frères et sœurs en islam, c'est un rêve pour nous, l'itemporaire et l'éphémère. Quand nous rêvons, les cassés, nous retrouvons nous-mêmes dans ce qui, en vérité, c'est la réalité, c'est akhirat. Là, sa place coûte. Maintenant, nous avons besoin de vraie richesse dans sa place-là. Quelle richesse nous avons besoin? C'est une bonne action. Un vrai musulman, quand il reconnaît la différence entre dunya avec akhirat, il prend une bonne décision. Dunya, nous ne pouvons pas dire aussi, nous prenons ça à l'exemple-là. Dunya, comment dire, un bout de miroir qui finit casser. Nous finissons ramasser ce miroir-là. Nous finissons trouver les jolis. Nous pouvons trouver les scintiller, les éclairer. Nous finissons penser que c'est un diamant, ça. Capable. Alors, ce diamant-là, capable, nous pouvons gagner beaucoup de casse avec ce diamant-là. Pendant qu'il nous peut encore avoir un expert pour évaluer ce diamant-là. C'est ça supposé diamant-là. Nous cacher ce diamant-là, nous préserver ce diamant-là, nous protéger jusqu'à ce que nous-mêmes nous finissons commence attacher nous-mêmes avec ce diamant-là. Quand expert vient, et il donne nous verdict, et il dit à nous qu'il s'aboute l'objet-là, ce n'est pas un diamant ça, c'est un bout de miroir. Dans ce moment-là, nous abasourdis, dans ce moment-là, nous gagnons choc. Tout de suite, nous sommes un objet qui, avant, quelques temps avant, tu n'as valé. Quelque temps avant, nous typer préserve ça quelque chose là. Tout de suite, nous aide ça quelque chose là. Nous pas même retourner pour regretter ça petit bout de miroir là. Là, nous regretter l'état qui nous fait passer, l'énergie qui nous fait dépenser pour protéger ça quelque chose là. Pour protéger ça quelque chose là, une quelque chose qui peine à valer du tout. Ça même miroir nous dit Ali, c'est dunia. Allah subhanahu wa taala lui explique nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui explique nous la réalité de sa dunya là dans le verset suivant. Il dit: Ya'lamu
annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahw. Et connais qui ça la vie, l'osa dunya la, c'est une la vie de l'amusement et diversion. Wazinatun, c'est une la vie de l'embellissement, fait bien joli. Watafakhurun bainakum, c'est une la vie que nous vantez l'un à l'autre, l'autre nous ban accomplissement, moi mena tel bâtiment, moi mena tel business, moi mena tel transport. Et watakathurum fil amwali wal aulad, et compétition. Et les compétitions dans gain plus richesse, et plus beaucoup d'enfants. Peut-être nous prenons ça des premiers là, c'est l'aïboun wala, qui la vie vient de l'amusement et vient de diversion. Peut-être nous vous disons nous-mêmes, mais est-ce que vraiment la vie existe en diversion et en l'amusement? Nous capables de remarquer qui nous peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour l'amusement et diversion ça. Nous capables de agir bien avec nos prochains. Nous peut capables de faire une bonne action de salatia là. Nous besoin comprendre c'est quoi l'aïboun ou Allah. Ou bien l'amusement et diversion. Ça qui ça veut dire que tout. C'est tout quelque chose qui occupe nous depuis une quelque chose qui prend importance. Ça, c'est l'aïboum wala. Tout quelque chose qui occupe nous depuis quelque chose qui bien plus important, ça, c'est l'aïboum wala. Un travailleur, il rentre la cage, il est fatigué, il est reposé. Mais un élève qui rentre dans la salle d'examen, il gagne ce papier. Comment il gagne ce papier? Il pose ce papier sur le côté et il dormit. Ça, c'est l'aïboum, voilà. Parce que les élèves-là, ils préfèrent une petite chose qui, normalement, nous gagne le droit de dormir. Mais pas ce place, ou bien pas ce moment-là qu'il besoin de dormir. Les filles dormir ou bien les filles faire sommeil passe avant un quelque chose qui est plus important, c'est sur l'examen. Comme ça même nous musulmans, nous faire dunya passe avant ce qui est plus important. Akhirat, ça le monde éternel là, nous faire dunya passe avant ça. Cinq fois les namaz. Nous pouvons faire ça pour préparer ça le monde éternel là. Mais si nous néglige namaz, au profit de notre travail, veut dire qu'il nous tombe dans l'aïboum, voilà, nous tombe dans l'amusement et diversion. Donc, frères et sœurs en islam, Ramadan fin terminé, nous capables fin réchuter, ou bien nous pouvons caler de l'obéissance, ou bien de nos progrès spirituels. Écoute bien le hadith de nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous pouvons écouter, écoute aussi avec nous les guerres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Bukhari, إذا مريض العبد أو سافر, si un serviteur li malade ou bien li en voyage, كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا, qui Allah subhanahu wa ta'ala li pour ordonne pour écrire dans ce livre des comptes pareil comment il peut faire en termes de bonnes actions quand il dit et non, la santé, quand il est en bonne santé, et quand il est dans la case, veut dire quand il est parti dans le voyage. Tout le monde d'accord qui, quand nous en voyage, quand nous malades, nous ne pouvons pas pratiquer, pareil comme nous peux pratiquer dans la case, pareil comme nous peux pratiquer quand nous sommes dans la santé. Donc, si nous faisons bien tant ce message-là avec nous l'écrire, et nous pouvons comprendre, pas tant de dunya pour faire nous gagner un choc, quand nous n'est plus dans la fosse pour faire bon action, commence à investir maintenant même pour nous récolter dans un moment de vieillesse, dans un moment qui nous pas capable de faire ibadat. Ça investissement là, les garanties 100%, les pas comment investissement qui nous fait dans le secteur financier, le dunya, quand il y a un risque, nous perdons nos investissements. À partir d'aujourd'hui, faire bismillah, prendre une décision qui. Mon besoin prépare pour moi akhirat. Pour gagner la paix la fin du mois, besoin de mes temps. Pas capable de rester la case, gagner la paix. Pareillement, pour gagner la vie éternelle dans Jannat, besoin de mes temps pour ça. Nous terminons quelques réflexions afin qu'ils nous réfléchissent bien l'eau du choix qui nous pouvons faire entre Dunya et akhirat. Premier, nous dire est-ce qu'il nous envie la vie éternelle qui, si tant. Sa place là, les jolies, qui en lisier pas fin trouver. Sa place là, si tant les jolies, qui en oreille pas fin tenir ce description. Ou bien nous avons envie en la vie temporaire, l'eau sa dunya là. Que
Nous sommes capables de faire une nouvelle case, un nouveau design qui demain entier Boris de tout peut copier la case pareil. Ça, c'est dunia. Deuxième, est-ce qu'il nous peut envie de manger ban fri qui tout le temps premier choix, qui tout le temps premier grade, qui peine à pourri, qui présent n'y a pas de quand nous envie? Ou bien nous pouvons manger frit quand il vient dans une saison, ou bien nous pouvons manger frit qui peut-être les pourrit, ou bien certainement nous pouvons manger frit qui est dans un moment qui n'est pas ajouté, n'est pas doux. Est-ce que sa qualité frit là nous pouvons manger ou bien frit dans l'akhirat? Et troisième, est-ce que nous pouvons vivre un bonheur qui je te pousse joli, je te pousse parfait avec ban lisier qui pour comment ban pelle. Et sa ban lisier là, je te pousse montrer désir envers nous. Sa ban lisier là, je te pousse montrer désir envers nous. Et sa ban pote là, je te pousse ban vierge, je te pousse chaste. Ou bien nous pouvons envie profite avec ce qui est dans le dunia, ban qui besoin mettre contact lens pour sens pour les alliés, pour les capables attirer monsieur, ban qui peut besoin faire la tour le figuier pour capable attirer monsieur, ou bien même qui nous pas sûr qui je vierge. Sa partie qui nous fait causer là, nous pas peut dire pour nous madame, les précieux, les danonicards, nous peut cause ban tentation qui nous gagne en déo, envers ban les autres madame, que nous gagne tentation pour guette ban jolie madame en chemin. Si on a pour faire comparaison entre ce qui est dans le dunia et ce qui peut attendre nous dans la vie éternelle, nous pas pour terminer à ce là. Alors, frères et sœurs en islam, quand nous relons sa dunia là, dunia même, dunia, ce qui nous appelle ça les mondes là, il peut arriver un jour, lui-même n'est pour fini. Il est pour fana, comment nous dire, il est pour fini, il est pour terminer. Définitivement, si dunia, lui-même n'est pour terminer, veut dire nous aussi, nous sommes pour aller, prépare nous-mêmes pour ça la vie éternelle là. Et définitivement, il y a une grande bataille, parce qu'il faut faire, et ce ban allié, fin met trop beaucoup l'armoum ou l'arib, fin met trop beaucoup divertissement, fin met trop beaucoup l'amusement pour dévier nous depuis nos buts principaux. Donc nous disons, ya Rab, fais-nous une bonne musulmane, fais-nous une bonne musulmane qui gagne la compréhension de din, qui trouvait, tendait, qui pour causer, qui pour raisonner avec les kirs. Nous disons, ya Rab, fais-nous une savante personne qui a courage pour faire des efforts pour akhirat à 100% au détriment de dunya. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam.